Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, eh bien, terminer le chant du héros, plutôt la quête des Phironautes, en allant voir le dragon d'eau. Et nous commencerons le nouveau chant au niveau de. Comment s'appelle de la. Ok, merci. Au niveau de du volcan d'Ordine. Voilà. Allez, les contrôles. Putain, je me prends toutes les racines. Dragon d'eau est-il là? Oui, ça va. Hop. Alors, petit point vidéo, pendant que je monte. Ce soir sort Mercenaires, et donc il y aura plein de mercenaires, hein. Voilà, sur la chaîne, je vous préviens. Excellent, Link, tu as rassemblé toutes les Phironautes. Comme promis, je vais t'enseigner ma mélodie héros. Enfin, ma mélodie héros. Fais semblant que c'est beau, fais semblant que c'est beau, fais semblant que c'est beau. De toute façon, elle te regarde pas. Non, faut surtout que tu retiennes. Retiens-la. Faye, tu l'as retenue. C'est bon. Ok. Pimpin. Apparemment. Je pensais maintenant maintenir la forêt inondée pour éloigner les monstres, mais pour éviter de te gêner dans tes mouvements, je vais faire baisser le niveau de l'eau. Va, à présent, j'ai beaucoup à faire. Comme. Comme quoi? T'as quoi à faire? Parce que moi je dois sauver le monde par exemple. Ça c'est une tâche beaucoup à faire. Toi t'as quoi à faire? Pim, 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 pim. Même pas de la mousse, rien. Ah. Continue de ronfler l'autre. Le niveau de l'eau a baissé, la forêt est revenue à son état originel. Toutes mes félicitations, maître, vous avez appris la seconde mélodie du chant d'héros, vous trouvez la dernière au volcan d'Ordine. Eh bien, retournons dans le ciel. Non. Nous allons perdre tout notre équipement nouvellement acquis. Petit spoil. Ça me fait toujours bizarre que le rayon ne soit pas dans la couleur... duquel on vient. Boum boum. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Boum boum boum. On arrive quand même sur la fin. Hein. Sur la fin du jeu. Parce que là, il nous reste ça. Après, il nous reste de retourner voir Narisha, le chant du héros, la Psychalis. Je vous spoil tout. Le temple de la Triforce. Le combat du boss. Le boss final. Alors, tu l'as mise un petit peu tôt, ton parachal. T'as mis ton parachal un peu tôt plutôt. Aïe. On n'a plus rien. Ils nous ont pas tués là. Là ils nous ont mis en prix. Ils nous ont mis en cage. Tu prends ta machette là et tu coupes la tête. Tchac. Si c'est le héros qui te pose souci. Ok. Ah, il y a nos amis Mogma. Tadam, voilà ton sauveur. Salut, ça faisait un bail, frangin. Quoi, tu te souviens plus de moi? Mais si, on se rappelle de toi. Justino, le Mogma qui t'a aidé dans le temple du Nord. Je les ai vus t'emmener alors que t'étais dans les vapes et je les ai suivis. T'es un sacré casse-cou, frangin. Qu'est-ce que t'es venu faire par ici cette fois? Tu cherches un dragon, tu veux dire une sorte de dieu? Mais on raconte qu'il y a un dieu qui vit quelque part dans ces montagnes. T'aimes bien ce genre de conte de fées, on dirait. Quoi, tu veux savoir ce que je fais ici? Eh ben, j'ai entendu dire que des méchants s'étaient regroupés dans ces montagnes. Et tout le monde sait que là où il y a des méchants, il y a aussi des trésors.
Enfin, je crois que t'as autre chose à faire en priorité, non? T'as pas remarqué, t'as plus d'armes. Pendant que t'es évanoui, ils t'ont complètement dépouillé. Va falloir que tu récupères tes affaires, tu crois pas? J'ai réussi à leur piquer ça. Ça va être les gants. Enfin, de récupérer les gants Mogma et essayer de sortir d'ici comme le fait un vrai Mogma. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai déjà fouetté, je te laisse. À la prochaine. Bon, surtout, tu ne regardes pas. Ciao. Il ne m'a pas vu. Et quoi là-bas? Hop. Je me repose 5 minutes. Hein. Il y a la carte? J'ai la carte. Ok, donc là c'est là où il y a les coffres. Super. C'est par où qu'il faut sortir? Par là tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Wow, par contre c'est magnifique. Hein. Partons dans le ciel évidemment. Ah non, c'est classe. On va sauvegarder quand même. On n'est jamais trop à court de sauvegarde. Hop. Ah. Nous avons un éclaireur. Ah. Frangin. Ça va pas bien là dans ta tête, t'as baladé comme ça alors que t'es pas armé. Je t'ai pourtant dit qu'il y avait plein de méchants dans le coin. Regarde bien autour de toi. Pam 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 pam. Elles ont sacrément renforcé la difficulté. Enfin la sécurité plutôt. Au cas où on n'a pas vu la boule. Ah oui. Surtout il faut pas qu'il te trouve, hein. Sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Alors sois discret, tu m'as bien compris. Tu sais, je me fais du souci pour toi frangin. Ok, je vais te montrer quelque chose sur ta carte. Bon, aujourd'hui c'est mon jour de bonté, je vais te dire ce qu'il y a dans les coffres. Et voilà. Ok. Enfin, si rien de tout ça m'intéresse, il y a des trucs qui étaient à toi là-dedans, tu devrais aller les récupérer. Bien, moi je retourne la chasse au trésor. A plus. Attendez, j'ai un coffre. Là avec les grappins. Bon, si je vais me faire niquer. Pas qu'il me voit ce con. Je vois pas derrière la palissade là. Il ne m'a pas vu. Il va avancer encore un peu. Ah, parfait. Ouah. On va creuser. Il y a de la force pour péter des cailloux quand même. C'est un vrai héros. La 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 la. C'est le vrai héros d'ailleurs. Le premier. Premier du nom. Surtout ferme ta gueule. Ah.
Bah oui, on va être obligé de creuser. On va avoir le souffle-feuille là. Les bâtards. Ils m'ont tout volé. Ouais. Avant le grappin, c'est le souffle-feuille. Là tu t'es trompé, tu ressors pile sous la lumière. En tout cas ils ont été très sympas de mettre les coffres avec les objets dedans en dehors de leur champ de vision. C'est vachement cool. Ouais mais saute pas dans le vide comme ça. Le Joy-Con Drift est de retour et il ne m'avait pas manqué. Ben non. Ouais. Ok. Salut. Tu ne m'as pas vu, Jean-Pierre. Merci. Tu rentres s'il te plaît. Hop. Heureusement qu'il n'y a qu'une seule sortie. Pas se tromper quoi. J'aurais pu mettre des pièges. Hein. Dun, dun, dun. Et hop. Salut toi. J'ai très envie de faire ça. Pour voir si ça réagit. Même ça, voyez. Mais j'ai pas envie de tout recommencer derrière. Donc on ne va pas le faire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est leur vigilance. Hein. Exemplaire. Il ne pourra pas s'échapper à notre vigilance. C'est impossible. Nous avons couvert toutes les issues. Sauf les quelques trous, les objets qui manquent, et on voit pas à 3 mètres. Mais bon. Ça fait une phase de jeu intéressante. Y'a quoi là? De la merde, hein. De la bonne grosse merde. Voilà, faut que je me laisse porter à la dérive. Pas par le Joy-Con Drift, mais par par les petites plateformes. Les petites plateformes. Papapapapapalap. Salut, salut. Papapapam. On peut pas s'accroupir. Ne pas tomber dans la lave, ne pas tomber dans la lave, ne pas tomber dans la lave. Il y a encore des méchants qui patrouillent, ouais. Ok, il faut le grappin. Qui est
beaucoup à... Là, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Mais ferme ta gueule en fait. Par contre, comment je fais pour aller prendre le coffre là? Ah. Il y a des bombes. Nous avons une arme. Nous sommes donc dangereux. Et lui il se dit tout va bien. Lui voit la tour de son pote, elle est défoncée. Tout va bien. Drôlement pratique. Une jeune pousse. Ah mais... Ce Joy-Con Drift. Pour le prochain épisode, je change. Hein. Les manettes me seront chargées là. Par où il faut que j'aille? Parce que là, il y a les bombes. Mais... Je suis pas sûr que je puisse... Faire péter le... Attends, si. Peut-être que si. Ça va être assez rapide, hein. Ok. Heureusement qu'ils m'ont pas piqué mon parachal. Fait ou fait chaud ici. Enfin moi les trésors du monde entier. Est-ce qu'on est d'accord, il faut que j'aille là. Oui oui. On verrait mes boucles d'oreilles ou non? Ok. Fou, depuis tout à l'heure je vois les méchants entrer là-dedans, il doit y avoir quelque chose, c'est obligé. Ah mais j'ai pas mes bombes. Merde. Faut aller récupérer mes bombes qui sont ici. C'est moi de récupérer mon lance-pierre ou... On s'en fout. On s'en fout je pense. Non voilà, c'est mon lance-pierre là. Ok. Let's go. Alors j'ai pas mon épée, donc j'allais dire tiens on va aller prendre le truc de la DS, le cube de la DS. Mais j'ai pas mon épée, putain le Dragon Rift, ne me fais pas ça. Non on peut, on pouvait monter là. Ok. Enfin, c'est peut-être par là qu'on va remonter d'ailleurs. Non mais attendez. Mais j'en viens de là, mais je suis un abruti fini. J'en peux plus de ma vie. Ah. Merde. Essayer de ne pas se cramer le cul.
peut-être y aller là. Trop tard. J'ai voulu je sais pas, ouais. J'ai fait le con. Tout à fait. Ok, allez, let's go. Youpi. Ah non, on s'attendrait à ce que ça descende un peu plus vite, hein. Mais non. De la plateforme. J'ai préféré pas prendre de risque avec la lumière là. La lance-pierre rafale. Très bien. On va peut-être pouvoir y récupérer notre sac de bombes. Là t'as intérêt à faire confiance au piaf et à ton grappin parce que tu dois te cramer le cul là quand même. Les bottines et tout ce qui va avec. Hein. Franchement. Ok. Là, il se retourne pas, le gars. Non, mais putain de Joy-Con Rift de merde. Tu l'esquives pas, super. Oh putain, le Joy-Con Drift m'a fait. Joy-Con Drift m'a fait rentrer dedans quoi, putain. Est-ce que c'est par là au moins? Est-ce qu'il y a un autre choix? Je crois pas. Hein. C'est bien là. On va pour les bombes. Tintin, votre sac de bombes. On la vend pour le feu d'artifice. On peut pas aller là. Il manque un coffre là.
Ah mais je peux... Mais non, je suis con. Je peux retourner. Mes occupations... Je jure ce truc. Dernier moment. Parce que pourtant j'ai tendance à rester toujours sur mon stick. Hein. Ne pas sortir du contexte. Mais ça ne marche pas. Par contre ça va me péter la gueule là, non? Ah non, c'est pas comme dans Breath of the Wild. Français. Bon là y a plus un intérêt à aller là. Ok. Alors je sais pas comment ils ont pu prendre la l'épée. Ils ont pas pu la porter normalement. Elle s'est peut-être emportée toute seule. Parce que normalement ils peuvent pas la porter en fait. Récupérez la vraie épée de légende. Vous allez enfin pouvoir laisser éclater votre colère vers celui qui s'adresse à votre route. Vous allez pouvoir parler avec Fée. Merci Maître Link, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû vous quitter un seul instant, l'éruption du volcan n'a pas donné suite. Cependant j'étais ici, j'étais une grande puissance au fond à droite, prêté qu'il y a du dragon qui connaît mieux du champ d'héros de 100%. Retrouvez le reste de votre équipement qui partait à la recherche du dragon. Où est le reste de mon équipement? Ouais, genre il y avait un coffre là. Lol. C'est nouveau là? Je pouvais pas y aller. Tintintintintin. Tout est ici. Ah. Bah j'ai plus de... Mais non. Bon bah rip. J'ai plus mon bocal. Bah, attendez, comment je fais là? Je n'ai plus de bombes. J'aille là. Mais attendez. Là, si je fais ça, j'ai plus mon équipement. Là. Ça va pas du tout. Je peux pas faire le dragon avant. Ah merde, par contre, je peux plus me barrer. Et ben on va aller voir le dragon. Ah mais de toute façon je peux pas faire autrement. Il me faut le scarabée. Et je n'ai pas le scarabée. Alors comment je me casse du coup? Mais je peux pas y aller comme ça autrement qu'en sautant. Non mais en fait je peux faire... J'étais oublié de passer là en fait. Ok. Et merde. Allez le coup des stocks là putain. J'ai pas l'impression qu'elle est... Qu'elle est convaincue cette cette plateforme. Ah putain, on se cramait le cul. C'est une blague. Hop. Ah la putain.
Merci le jeu, quoi. Il n'est pas content. Link, le retour. Tintin, vous récupérez votre sac d'aventure et tout le reste de votre équipement par la même occasion. Là. Parfait. On va pouvoir rééquiper notre bouclier d'Ilia. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, tout le monde.